Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ezali bongo dédié na komba ya papa Simo Kimbangu pe conscience africaine banafrika nyonso ozolanda biso de partout dans le monde mbote pe po ebolamu na manaka ya pona Congo na zene sengo mingi ya ko présenter le bino et na ba kongomani nyonso éparpillé à travers le monde tolobi kimia na mabota na bino kongola azali nani moindo azali nani africain azali nani koye ba nini nani tozali ba nani tozali parole na biso na humanité nini sengeli to sala pour que toye ba ko saisir destin na biso ezali très important moko ya importance ya journée ya mokolo na lelo tolobi yango ezali bongo ko reconnaître combat ya papa Simo Kimbangu lelo ezali ko marquer naissance ya kimbanguisme ce jour là pour la première fois Simo Kimbangu dévoile son ministère de prédication et de guérison dans son village Kamba. Il dira avoir reçu une vision, mais que retenir de son combat et de sa prédication. Sur ses plateaux, Nabasango, plateforme électorale, l'Union sacrée en ordre démarche pour donner un second mandat au président Félix Tshisekedi après la signature de la charte. Mbosso annonce la sortie officielle de l'Union sacrée le 22 avril prochain. L'Union sacrée poursuit un seul objectif qui vise la matérialisation de la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur tout le plan. Il faut dire que plus de 308 présidents du parti politique ont signé hier au Pullman Hotel ces documents d'engagement. La RDC se dote d'une nouvelle loi sur la presse, moins répressive, mais plus contraignante à quelques mois des élections à haut risque au Ezali Kosalima et Kosalima en 2023. Nous allons revenir avec force d'État et lobby na ba professionnels de médias autorisés na bango na la kibino kozo bango peut expliquer tout ce qui se passe na médias et puis loi au Yasika au tous allez kobenga loi moyaya au Ekoya pour na kotia ordre na katia milliers médiatiques pour Mosala et Salema le Sengeli ndenge to yebi pe ndenge bayebisa biso que média ezali quatrième pouvoir rôle nango tokozwa ngo lobi na bandeko bakoya ba professionnel de média na basango mosusu Nord Kivu. Le chef d'état-major des armées congolaises et ougandaises a béni pour évaluer les opérations conjointes FARDC UPDF. Voilà. Oh, c'est tout pour les titres. L'Union sacrée se transforme en plateforme électorale. Lobby eleki, tout le monde qui ba parti politique nyonso ba kondia ba parti politique nyonso ko signé charte na bango. Enfin l'Union sacrée s'organise kasi président Mbosso président assemblée nationale atali sike ezali ko zala déjà ko mitia en ordre de bataille pona ko kende na maponomi o ezali ko se pointer à l'horizon ndenge signé bisaki biso le 20 décembre oyo nini ko retenir est-ce que ezali déjà ko bongama avantage na ngona côté à famille à chef de l'état ezali nini est-ce
ezali déjà kolakisa ke bataille ya élection ezali gagné d'avance na ba poids lourd nyon soto moni na quatrième année secrète romeka ko répondre na ba question on a de l'autre côté la moka qui se divise ça tire à balle réelle entre les idées de Martin Fayulu et Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzi tout ezoko simba penza te ba oyo balobi balongoli ba oyo ba oyo balobi balongoli ba oyo est-ce que kozala désavantage te sincèrement pour la bande ko ya la moka qu'est-ce qui va se passer est-ce que tu peux espérer qu'ozwa candidature commune na ngambo ya opposition c'est une question tozana bande ko opposition ba komeka ko répondre et que retenir du combat de papa Simon Kimbangu voilà yango ezali otokolobela mokona lolo otobela Congo na ndeko Javier Mboma azali ndeko ya lisanga ADD Congo la muka naye tokoki déjà akoki déjà ko rejoindre biso to komeka ko beta lisolo mwana mboka akoki déjà ko pousana mbote pe bwe bolamu merci mingi mama Naomi na pesi pe bande konyoso baza kolanda biso na mwana oyo mbote belé na pesi mbote na bana ADD Congo bana la muka to rappeler bango ete za maloba ya mokonzi ya mboka le président Eli Martin Fayulu Madidi bozala kimia o nyonso ezo le kawana ezali ba vantir ya ba mobutiste ya kala na ba kabiliste ya kala ba e ba boma mboka eko bangisa biso te biso nde la muka tozo bangisa. Très bien, merci beaucoup. Il faut dire que vous avez envoyé spécialement la présidente à partir de on découvre ces pingues. Ouais, la qualité à cause à l'abisso qu'on a quoi assister à zola l'abisso en beauté mingi mon amboka tous en un décolou au coquissa qui boula bienvenue à Zali, secrétaire général de la SBEL éveil de conscience des enfants de militaires et de policiers à Zali bongo moïmbo ka Congo pejane ou à Zali Kobundela Bavalère pour déjà qu'on rejoindre Bichot sur ces plateaux, moi l'amboka et Zambala Liboso, Mbote, Peboué, Bola, Mtoyambio, Namanaka, Yapona, Congo. Mbote, merci beaucoup, Maman Naomi, merci Naba, Nekonyo, Sobazolanda, Bissot, merci Naba, Kodébater, Nyosor. Très bien, merci beaucoup, Maître Cédric Bianguizele Azali Bongongo plutôt Azali. Il y a parti jeu 4 ans déco. Il y a Union Sacrée qui déjà qu'on rejoindra. Mais je ne pas Azali. C'est pour la première fois. Moi, en Boka, en Boté Peboyebola. Mbote maman Naomi, Mbote Naba Congoman Union Sobazui Libaku ya Kolanda Biso et puis Mbote na bana Union Soyachang ou singulièrement bana qui pensait que Azali qu'on traversait. Bon moment encore difficile, Banzela et Zalité, les trois acteurs principaux, Oyo et Makabiso vers la commune de Kimansek, ça pose un problème, il y a accès. Donc je profite d'un micro, il y a représenté plaidoirie Nabiso, le ministre des Travaux publics national comme provincial. Et puis, na pesi mbote na bande kounyon son azuli bakou ya ko partager na bango plateau. Très bien. Tout ça, le komuko kostedo ya ko rejoindre biso juste un moment donné à ko ya peko pesa biso message na ye. Mais tu peux déjà ko fongola hostilité na biso pour décor eza planté moko na lelo. Que retenir na journée à lelo ba na ba vanga nanda ku me bazomi tuna. Pourquoi to vanga nanda ku? Pourquoi? Que retenir ya komba ya papa Simon Kimbangu de ko Xavier Mboma, si il faut dire, est-ce que l'élo Banamboka Congo, ça vaut la peine de célébrer journée à l'élo combat Papa Simon Kimbangu pour conscience africaine? Oui, Bisso ADD Congo, et longo na katia la mouka, mokolo ya l'élo les 6, oyo bapesi l'élo avec précipitation pour un positionnement politique. Je vais rappeler aux Congolais que date oyo ya les 6, bon moni l'élo. Histoire n'a pas simple. Il y a une semaine passée, les représentants kimbanguistes allaient traverser en face Lingaga Kende Braza. Il était invité par le président Sassou Nguesso. Il arrive vers Beach Ngobila. Il était interpellé par les agents de M. Tshilombo. On l'avait arrêté là-bas. Et voyage n'a pas été annulé. Il est rentré. Il fait appel à Sassou. Sassou appelle Tshilombo. Tshilombo dit je ne reconnais rien. Et le lendemain de jour, les Kimbanguistes ont décidé de retirer leur confiance à M. Antoine Tshisekedi Tshilombo na Mamart. Quelques jours après, rappelé, ce n'est pas nous qui t'avons donné d'abord Kadima. Et nous ne faisons plus confiance à vous parce que vous n'avez jamais été derrière votre parole.
Tu nous avais menti d'ailleurs que tu vas nous donner une journée fériée. Parce que ça date depuis l'année passée qu'on allait avoir ces journées. Par précipitation, par crainte, il y a causé l'électorat, ça date au lelo, sans toutefois réfléchir. Mais qu'est-ce que nous, l'amour, quand nous pensons quant à ça? Koti kabatu na banda kulelo bana bavandi moi mon enfant mon fils aîné qui est en 6e des matin mais papa vous allez où soit disant il y a férié aujourd'hui et vous me dites de rester à la maison. Rabbi c'est pas moi va demander à Tulombo. Parce que nous qu'est-ce que nous on préparé? Koti kabatu na ndaku sans que baye balikambango ezana tinate. Ah mais il y a une raison, il y a une raison, il y a quoi expliquer population. Bango baza prêt à expliquer population. Il y a quelqu'un qui est en face de l'Union sacrée. Mais moi je vous dis, c'est que nous on s'est préparé déjà pour la journée à l'Oyalomumba ou à Kimbangu Oyo. Et là Kimbangu pas mbate, na ba Kimpa vite, na ba noire, il faut battre Bango. Programme na biso ezala ki boye. Tango tozozo à pouvoir, faut organiser. Aujourd'hui on étudie Kimbangu mais na ba école Kimbanguiste seulement. Faut que Ekoma charge à l'État, et quand on a une institution, nous sommes public, il y a l'État ou privé, mais à niveau à secondaire. Parce que, Bayeba, qui était Kimbam? Qu'est-ce que Kimbam avait fait réellement? Les lots sont après, tout le monde a dit que nous sommes en santé. Nous sommes en marche à santé. Nous avons l'occasion de se divertir et tout comme ça, mais on ne retient rien dans la journée à l'élo. Mais Bissot et Zalaki, programme très bien établi, était tant que nous avons conçu. Bissot ADD Congo, ensemble, nous avons dit que donc, koti sango na kati enseignement secondaire pour que ba tangi ça parce que Kimbangu n'est pas n'importe qui, c'est celui qui était le premier noir à s'opposer aux blancs. Yé muto a déclaré qu'il libérité y a finance na yé, a déclaré qu'il vina ni makambu ya religion na biso que tous à la considérer na ndenge na biso, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre na légèreté journée fériée pour na ba Kimbangu, sinon c'est quelque chose qui concerne les Congolais et les Africains parce que photo tia ngonde na ba document. Et quand on a tanga yango, on va retenir, on va compte ya papa Simo Kimbangu, Kimpavita, à Noirit. Et ça, on va documenter yango, et quand on a un programme d'enseignement. On va continuer la journée à Pamba Kakaboué, parce que vous voulez que Kimbangu soit voté, là, ça ne prend pas sa place. Ça n'a pas sa place d'être. Le problème, c'est à quel niveau? Pour les journées fériées, pour expliquer en gros bien tena. Journée fériée, et puis ça met la précipitation sans préparation. Mais Zalaki annonçait depuis les lois. Et Zalaki annonçait, mais quelles sont les dispositions qu'ils ont prises? Quelles sont les mesures d'accompagnement quant à ça? Mais moi, je vous dis ce qu'ils nous ont préparé. Il faut écouter un programme et enseignement. Bon, allez, même chez vous à la maison, maman, journée fériée, soit expliquez mon ami. Que journée fériée parce que Kimbangu, Alita, qui va boba, qui est, bah, quoi, ça y est, na. Vous ne voyez pas que c'est vague. Mais si cela était dans nos programmes des études, bah quoi expliquer bah na ndenge sengeni de genèse ya Kimbangu Kimpavita Noirit et tout concerne ndenge batanga ba Martin Luther et les autres bateaux bah sala bah kombo na mboka dans rang ya ba Kimbangu wana. Donc c'est pas quelque chose que bati ya ngona ba ndenge bango ba kamnon so zaka provisoire ya ko meka boye ba ko ma rolandango ezo simbate loko la gratuité d'enseignement wana ezana sans terme au moment opportun. La Mouka mettra ça dans le programme d'enseignement comme il faut. Mais que retenir de Kimbangu, la Mouka, s'il faut dire un mot? Oui, Kimbangu n'est pas n'importe qui. Kimbangu aza noir oyo, asala qui éveille d'abord, il y a pas nabiso. C'est quelqu'un qui a donné de l'importance au peuple noir de comprendre que réellement, on n'est pas différent de blanc. Biso na bango toza batu to kwaiko kwa pe na ba capacité oya biso et Kimbangu azala ki mutwa liboso o alobaki na mondele stop. Faut que tu respect. Le col a peur de le col. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup. Moi, je suis un déco bienvenu. Kiboula, je suis une photo de la Ozali, je suis un peu éveillé. Conscience paix à jeunesse. Qui est retenir de Kimbangu un prophète, une personne qui s'est opposée au blanc, le bimiko le koya. Tout le monde a baïn de baou comme un mindele, mindele baou comme un baïn de écouta qui est mort comme bébé. À ça, un miracle bébé. À l'obama, un bébé pour un beau cannabis. Mais qui est retenir de son combat? Est-ce que son combat vaut la peine? Parce que à l'obéla qui a zaki n'a tangwa colonial, époque coloniale, il faut le dire comme ça, les autres sont une époque coloniale. Est-ce que son combat vaut la peine? Merci beaucoup, madame, pour la motuna au Tuningaï, Nako Lingamingi, tout le monde a sentiment, tout ça est la raison, tout le monde a émotion, tout ça est la mingi mingi raison. Conscience, c'est quoi? Nous, tous les bilingues, nous avons fait appel à éveil de conscience.
Nous sommes ces élites, potomema éclairage, wapi, lokuta, pe politique et bébisi makam. Kolandandeko, vraiment, j'ai été écœuré. Tant on oublie que ça a été pris par précipitation. Il faut tout éviter qu'on politise les événements. Tout comme on parle de Lumumba, tout comme aujourd'hui on parle d'Issimo Kimbangu, prophète. Ce qu'il faut retenir, à ne pas associer avec l'église kimbanguiste. Okay. Deux choses. Mm-hmm. Nous parlons de la lutte, du combat du prophète Simon Kimbangu, qui du reste n'avait pas laissé l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est née après. Alors, Bisso Baetozali Bakongomani, Nini Fotosala, il faut les lever au rang. Ce n'est pas question de précipitation, c'est question de la conscience. Peut-être, l'événement est coïncidé. Naba, circonstances sont développées par Kala. Mais il ne faut pas, toujours, on a légèreté d'expression, pour tout qu'on est déjà vite, c'est qu'on pensait faire. Les mal congolais, c'est ça. Et les consciences de la conscience congolaise, c'est dû par le fait que la plupart des Congolais ignorent ce qu'ils sont censés connaître. Okay. Nous connaissons, certes, la personnalité de Simon Kimbangu. Mais d'un côté, s'il faut honorer, s'il faut l'élever, on dit que non, les enfants sont restés sans savoir pourquoi ils sont restés. C'est à nous d'enseigner aux enfants l'histoire. Ozali papa, tant oyoki, balobi journée à conscience africaine, paix à combat à Simon Kimbangu. Explique ton enfant qui est Kimbangu. Mabe ezali nini. Toyebi kopé sa valeur na baye ba pesa le coup mouté na mboka topé na mokili parce que tozaki baindo. Il avait dit quelque chose au Lobiango. Il viendra un jour moindo akokoma mundele mundela akokoma mutumindo. Aujourd'hui, la guerre dans le monde, tout ce qui se passe. Le combat là, c'est pourquoi? C'est pour la conquête et la reconquête de l'Afrique. C'est l'accomplissement. Alors pour nous, Tebiki Papa Simon Kimbangu mérite beaucoup d'hommage à cette journée commémorative. Nous disons que tout Congolais est censé rentabiliser. Tout le monde là-bas, tendance politique, Totika Kimbangu, na circonstance wana, et à la moyen pour Nabiso Yako communiquer utilement. C'est un prophète, il a prédit les choses, aujourd'hui nous les vivons. On s'arrête là. Nos débats politiciens, après. C'est les Congos qui gagnent. Très bien, merci beaucoup. Mais est-ce que son combat vaut la peine? Est-ce qu'ils ont continué topé ndenge siraka colonisation et kenda et puis c'est tout? Combat naïe, ils ont continué, mais ils ont causé la tâche parce que les politiciens, ils ont été récupérés. Événement. C'est pour cela que j'ai dit soyons congolais, allévons les sentiments, l'émotion, utilisons la raison. Raison ya kombawana. Et à l'okolaté, on a vu, on nous a ramené le reste de Lumumba. Mais qu'est-ce qui est resté de Lumumba? Quel a été le combat de Lumumba? Aujourd'hui, nous avons la dent qui est là, soi-disant. Qu'est-ce que nous avions enseigné à nos enfants s'agissant de Lumumba? Et qu'est-ce que nous allons les enseigner aujourd'hui s'agissant de Simon Kimbangu, de Kipanvita, de Anwarit? Très bien, merci beaucoup. Très important. Ce qu'il faut cotisamo nakati il y a bon enseignement primaire, secondaire, très important. Deko Cédric Bongongo. Bingili Bongongo. Bingili Bongongo. Bingili Bongongo. Bingili Bongongo. S'il faut revenir sur cette journée, tous allez commémorer combat. Il y a Papa Simon Kimbangu veille de conscience qui retenir. Na combat na est-ce que ça vaut la peine lelo to lo bila yango lisusu. D'abord merci madame na lingi na mekampe ko répondi na o nde konanga uti ko bimisa awa parce que vous savez ba personnalité lokola ba Simon Kimbangu bazali ko mérité ba vivant hommage parce que na combat ya lit ya indépendance ya 1960 les gens, ils ont tendance à citer certaines personnalités, mais pourtant, Babo Yakako citer plus Papa Simon Kimbangu. Parce que, vous savez, le Congo a commencé en 1884, 1885, ils ont propriété privée à Roi Léopold II. Parmi les assignations, Roi Léopold II,
c'était la libre exploitation parce que nous sommes le, parmi les rares pays de l'Afrique où Botami le Kola comme un État indépendant. Tu es Koya 1809 Congo comme Congo belge jusqu'à ce que en 1960 il y avait Batou ba militaire qui pour que Mboka Oyo ezwa bonsomi wenga ka indépendance to zwa reconnaissance sur le plan international. Donc parmi les Congolais qui ont milité, je peux citer Papa Simon Kimbang. Aujourd'hui, moi personnellement, je partage la journée fériée, la journée chômée PET dans le Congo parce que nous sommes une économie malade. Chômée payée, et pour les privés, ça crée un problème à la production. Mais aujourd'hui, Nazali ko remercier Wayambo Ekolo, président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na décision Oazui, na ko singa pe na chef de l'État, ba meka ko élevé na rang ya ba héros nationaux parce qu'il mérite ça. Donc, mais qu'à politiser un autre n'engin de quoi outil coloba ah parce que n'amoni les seuls et unique cadre ya ndeko ya parti ya qui s'appelle encore comment donc les seuls cadre ya ADD Congo parce que mbali bosona mon appel ADD Congo za kana membre n'amoni ndeko n'amoni a du courage ya koluka ko politiser un mot ce n'est pas d'abord de par notre constitution article 1 nous sommes un état laïque. Donc aujourd'hui, Ferrier à Lelo, sur le plan juridique, moi j'ai du mal à digérer ça, hein, personnellement, comme un praticien des droits. Parce que bah, catholique peut réclamer lobby, bah, église des réveils peut réclamer lobby, mais à titre de reconnaissance, Bissonion soit un dimi en haut, Iyo. Mais dans mon tour, on a incarné Valère et Beléo, et Lelo perdit même dans la classe politique Nabiso. Lelo, vous savez, Lelo, s'il faudra, n'engue na outi kozwa, élément de langage nae à lobby. Il faut toi enseigner qui manguisme, même au niveau des écoles primaires. Il faudra même revoir notre système scolaire. Au niveau bas, il y a qu'à imprégner, il y a qu'à vulgariser la pensée. Qu'est-ce que Moutouana Linga qui réellement? C'est de façon, il y a qu'à pérenniser même doctrine. Ouana, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas une grande importance. Si lui, il a dit qu'il n'a pas étudié ça dans l'école primaire, je pense qu'il y a un problème parce que moi, j'ai étudié ça à l'école primaire. Mais peut-être il faut parler de la vulgarisation. Parce que la loi. Et où tu kobima, il y a deux ou trois jours passés, et puis l'application, comme toute loi, et pour ça, toujours, bah, effet mon corps, bah, application mon corps immédiate. Aujourd'hui, nous sommes les 6. C'est question parce que le combat a pris longtemps. Dans la classe, mon corps élevé, tu es bien, mais peut-être il faut qu'on enseigne, même dans la qui n'a vu sur l'école, puis même tu es bien, qui est cette personnalité, il représente quoi, dans l'île, il y a un beau cannabis. En tout cas, c'est ça, moi, ma canisson. Bah, bah, cependant, deux problèmes déjà qu'on s'est posé. Au tu qu'on relève un gros problème sur le plan que tout ça, pays laïque, comment qu'on ait une journée en gros dans mon colo, et ça dit qu'on marquait et bandé l'église au Kimbangouiste. Pourquoi pas date d'anniversaire, il n'y a pas seulement Kimbangou, tout date il y a mort. On est à mon tourné, il y a des bossos, on est allé, 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 est-ce que c'était important qu'on ait une journée, mon bimba, chômé et pays? Bon, moi personnellement, s'il faut être honnête, à ma conscience, je ne partage pas ma journée chômée ferrée dans l'économie Nabiso. Parce que le chef de l'État, il a hérité une économie malade. Tozali, d'abord, on a faiblesse à la production. Tozali, une économie, ou bien quand on a français, économie, on a extraverti. Donc, ma solution, il y a biso, panier, ménagère, pour régler, en haut. Et ça, ma solution, on va plus externaliser. Mais une économie où les solutions sont externalisées, vous mettez, je donne un cas, quand vous allez dans un pays Amérique, les gens travaillent 24 heures sur 24 heures. Ce qui monte, ce qui est dans ça, il est vraiment un travailleur. Il est difficile de voir un fonctionnaire la journée à Zali circuler. Quelqu'un arrive au bureau à 10 heures pour quitter à 13 heures juste. C'est déjà un problème. Dans une économie malade, les gens n'arrivent même pas à respecter les heures de travail. Il y a un problème. Au stade actuel, prendre toute une journée, payer chômer, pour le public, ça va. Mais pour les privés, ça va impacter. En termes de production, aujourd'hui, presque. Journée à l'élo, tu sais comment ça représente l'économie à l'État. Une économie malade. Une économie où nous sommes agressés. Tout ça, il faut que l'État réponde à nos problèmes. Parce que vous savez, dans le cadre macroéconomique, il y a des éléments majeurs pour nous stabiliser. En haut. Il y a ce qu'on appelle la demande agrégée et l'offre agrégée. Dans la demande agrégée, ce sont les désirata de la population. C'est que la population est l'ingrapa à l'État. L'État tongi la biso banzela, l'État chabiso na sécurité mon compte en total, l'État tongi la biso ba école, ce qu'on appelle la demande agrégée. Mais il y a ce qu'on appelle l'offre agrégée. C'est que l'État est capable de produire. C'est que l'État est capable de mettre en place.
C'est-à-dire, l'État peut dire que non, dans une année, je peux produire un budget de 16 milliards. Il faut maintenant qu'il y ait une grande production pour arriver et atteindre le budget où il y a 16 milliards. Maintenant, nous sommes une économie où demande des alliés qu'on dépassait, offre. C'est que l'État a dit qu'on produit, n'a demande n'a demande les quais. C'est ce qui fait que même aux alliés, le long de la situation, il y a instabilité économique. Donc, maintenant, dans un pays pareil, il faut appliquer des solutions, faut plus appliquer la solution qu'on a en matière économique, faut bien avoir la restriction, il y a certaines dépenses publiques dans la. Entre autres, la journée à Boé, c'est d'abord une journée perdue où, en termes de production, tu produis zéro, mais l'État, il va subventionner cette journée. C'est déjà un problème, madame. Raison pour laquelle moi, vraiment, personnellement, je ne partage pas ma journée fériée dans une économie malade. Non, je suis précipité. Non, pas précipité. Il ne faut pas dire précipité. Non, précipité, là, ça résonne trop fort. Parce que ça a pris du temps. Depuis la déconnexion, on dit qu'au décal. Parce que vous devez se rendre compte, vous savez, madame, il y a des demandes de la population. Ceux qui le veulent aussi, par exemple, par rapport à l'économie, par exemple, à l'église qui manguiste, tant retiré, ça va impacter sur le plan psychologique pour la banque. Tu comprends? Maintenant, comme l'État est là pour réglementer la société, pour créer harmonie dans la société, l'État peut procéder à cause de la mesure, moi, pareil. Mais nous réfléchir, ça c'est une réflexion. Ça c'est une réflexion, bah, impact sur le plan économique. Je ne suis pas contre Yango. Mais j'ai dit maintenant, bah, impact par rapport à l'économie autre. Mais ce qu'on a dit, il y a tel ici en plus du côté négatif. Très bien, merci beaucoup, Banamboka. Bonjour, Landa, pour la Congo. Tous en direct à Montaigne, Congo Bus Télévision. Tous Lobela, Mokolo Yalelo, le 6 avril, aux Ezali, journée chômée et payée. Au Bisika, tous Ali, commémorer combat, il y a papa Simon Kimba, groupé éveil, il y a conscience africaine. Kasi, deuxième sujet, la Bichou Ezala qui, Kambo et Talibongo, élection, aux Ezali, Koya, tout le monde, bande de Koyan sacré, Kosangala. Finalement, bah, signer charte Nabango, finalement, bah, s'organiser pour que bah, en ordre de bataille, plus de 308 partis politiques, bah, ça y n'a qu'à yon sacré de quoi ADD Congo, Lelo, est-ce qu'ils allaient Kokoso Nangambo et opposition, comme on a famille politique et chef de l'État, bah, s'est préparé, déjà, Bazar aussi préparé pour le Rokena Mapolo. Et ça, moi, pas si mouké, mais ce qui n'a pas besoin de mouké dans ma lobande, quoi, lobby. Ah, ouais, d'abord, premièrement, il est contre son chef. Dans sa façon de parler, il s'oppose à Tshilombo par rapport à la décision à jouer et sans trop réfléchir. Mais il a réfléchi, tant que c'est. Non, non. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Je lui félicite, il est libre. Il est contre son chef qui a mal réfléchi. On est clair, non? Deuxièmement, j'ai dit ceci. Parce que dans les écoles kimbanguistes, il y a des kimbangu, simo kimbangu. Mais dans les écoles privées, dans les écoles catholiques, il y a des simo kimbangu. Là, nous devons être clairs. Pour na makambu, il y a 300 quelques partis politiques basangani autour, il y a Nini Olobi, Union Sacrée. Union Sacrée, c'est une charte. Madame, bon, il y a une question, on est obligé de vous répondre, mais ce qui est nécessaire, vous devez comprendre que l'Union Sacrée est composée d'abord de Mobutiste, tout va travailler dans Mobutu. Bato va bomamboka na Mobutu, baza na l'Union Sacrée. Bato va yeko piller mboka, va yeko sombrer mboka, oh, va dévaloriser ba militaire na zomona ndeko nanga elenge kitoko boye mwana militaire, mwana ya policier pendant 18 ans na bata na bango ba transition ya Kabila wana baza na l'Union Sacrée. Plus ba nouveau riche ba yibi mbongo tozui à 100 jours tozui ba mbongo atilenge tozui ba détournement en cascade oh non c'est ça les mabazana Union Sacrée, ça nous arrange, ça nous arrange, ça prouve au peuple congolais même ba oh ba transfis oh ba trans ba toi transimance oh ba longwa lamuka bazana lona Union Sacrée, ça nous donne maintenant le temps de les chasser ensemble. Parce que oui, ça nous donne le temps de les chasser tous ensemble parce que Moutaroki m'a sauté. Ils sont pris maintenant derrière Tshilombo. Ils sont tous là. Et si nous cherchons les Tshilombo, ils vont rester. Bah ouais, pas nani. Et pas nani, je vais les chasser aussi. Bah ok, parce que n'est-ce pas ça, baza maintenant quantifié. Peu baza très bien repéré que baza côté Mokobo. Bah on y on sera sangani baza. Ensemble. Nous les voyons ensemble, clairement. Ensemble pour notre soit deuxième mandat pour notre. Bah qu'on soité. Pourquoi nous avons intérêt à changer classe politique. Ces gens-là nous ont aidés.
Dans quel sens? Bah, qui a commis placé six camoro bangonyons? Bah, ancien mobutiste, bah, ancien kabiliste, n'a bâti l'ombo oyo, bah, yoko yi bambala oyo. Bah, c'est un yassi camoro, tout le monde a bamba, zawa, n'a pas béni bango, union sacrée. Pour les chasser, ça va poser un problème. C'est qu'on a fait à Chadari, cette épée. Ce que nous allons faire avec Chilombo et ses alliés, ça sera plus pur. Nous, on s'est préparé. On a fait sa discours, mais ce qui était une union sacrée, les lots, poids fort, nous sommes à Zakuna. Il n'y a pas de poids fort. Il n'y a pas de poids fort. Si vous pouvez. Si vous allez, comme vous avez cité les noms, je vais aller aussi dans cette lancée-là. Bemba, d'abord, il a un problème de leadership. Nambo Kanaye, Nako Naye, Équateur. Bemba, tel qu'il est là, ça voit mon corps. Avec les jeunes qui sortent ici, Bazakuna, même hôtel au colonie, place Nini, à l'Obana Bangon, non, Chilombo est là-bas, voté Chilombo. Soli ma bangue, Zawana, vous regrettez hier. Le jour où moi je mettrai mes pieds à Massimani, Kinki va fuir, il va aller à Kikwit. Le jour où moi, Xavier, je mettrai mes deux pieds à Massimani chez moi, Kinki va quitter Massimani pour aller à Kikwit. Il m'entend là où il est. Avokima, il n'y a personne là-bas. Kamere, Boni Boyoko. Et les gens pareil, nous avons les voter. Ils nous ont aidés. Bah, le peuple congolais. Parce que nous devons changer la classe politique. Il faut travailler dans ma salle en face. Ces gens-là, tels que les Mendela, qu'est-ce qu'il va vous donner? Les mineurs qui étaient bloqués à Bandundusi ne savaient pas rentrer parce que Chader n'était pas élu. Les Kimbuta étaient là, à Tourna Kiti. Problème là-bas aux Anini. Ces gens vont se neutraliser d'eux-mêmes. Ota photo à Chilombo, ota photo na yo ba voté. Olengwe, na komo. Toke ni na campagne, vous allez voir. Bako bunda nan bango na bango. Bako bunda pourquoi? Pourtant, mouta wabi, yo zèl se to voté Chilombo, to voté sur base de quoi? Bilan li boso négatif, mboka kaba. Ba détournement cascade, ba prisonnier, ba ibambo, ba zate. Azo libéré bango. Pendant ce temps, opposition est à s'affaiblir. Opposition est à s'affaiblir. Madame, pardon? Comment va-t-on voter Bino alors que vous êtes divisé? Non, nous ne sommes pas divisés. C'est par là que je vais citer. Nazo Kendina n'a ordre d'idée d'Anga. Nazo Chite Kuna pour vous dire que l'opposition n'est pas divisée. On était en campagne en 2018. Kimbuta présente Kabila. Balobi Makambo Moutouna a tout bien voté. Le corps est qui parle de ce banacha en mouquet, tout le monde est là, mais il y a un choix. À Maël et Sili, à Zui Kiti, il y a plastique à tomber, il y a un balou sur ma colobouille. Vous comprenez, geste, toi, non? Kiti n'a pas assez, il y a ma colo 4. Donc, Kimbuta a demandé aux gens de voter Kabila, de voter Fayoulou, et va voter EP. Ça sera pareil, Nabango. Bande quoi, MLC, va se neutraliser, Nabango, parce que qui est de MLC pour ça la campagne à IDPS? Parce que le bilan avant est négatif. Tant que tu as un terrain, tu as un terrain qui a été chargé. Ces gens ont échoué déjà. Donc, pour nous, nous avons une liberté. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est construire une équipe solide avec les jeunes. Nous avons réfléchir comme il faut. Nous avons une énergie qui est en train de comprendre Martin Fayoulou. Vous avez une candidature commune dans votre opposition? C'est obligatoire pour que tu écrases facilement. C'est obligatoire. Et cosa? Vous dites, madame, Nazozonga, bon réfléchir, moi, maman, ok. Vous pensez que si Étienne Tshisekedi était encore en vie, Martin Fayoulou allait poser sa candidature? Je ne crois pas. Et il y a des missions impolies, il y a des salamotés. C'est pareil aujourd'hui. Étienne Tshisekedi est vivant. Incarné par la personne de président Lim Martin Fayoulou Madidi. Par là, je vais vous répondre. Le 22 décembre. Adolphe Mouzito écrit une lettre. Il envoie qu'il ne fera plus partie de la coordination de la Mouka. Lui-même, il propose un messie au nom de Paulin, son vrai nom m'échappe, au nom de Paulin, que celui-là est le président de Nouvel Élan. Et nous sommes allés vérifier les documents qui donnant l'agrément, mon ami est là en face, maître Ebater, moi on a bien, dans Nouvel Élan, on constate que le messie là, Paulin n'est même pas là-bas. Son nom ne se retrouve même pas là-bas. Même pas le nom de Mouzito. Et au 30 janvier,
conseil de président parce que la Mouka est très bien structuré. Le président va partir politique, nous sommes à la Mouka, va coûter un acte. Va acte. Mouzi, tu as demandé aux blanchards, tout le monde là, de sécher, de ne plus fréquenter les installations de la Mouka. Qu'est-ce que nous on allait faire? On avait pris acte. Si aujourd'hui Mouzi tout veut revenir dans la Mouka, qui l'écrit? Sinon, il est parti librement comme Bembe était parti, comme Mouissa Namouissa était parti, comme Katoum était parti. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais la Mouka reste tout. Et voici que la Falou, la Mouka, c'est le peuple congolais. Falou, c'est quelqu'un qui a toujours été constant. Il est là. Et vous voulez qu'il parte. Très bien. Merci beaucoup, Ozungunganayo. Maître, bienvenue, Kiboula. Il faut qu'on revienne en Ayo. Classe politique, Nabisho, est-ce que après, pour nos élections, comment est-ce que Nabino, Nangambo, Nabino, Bino, Asbel, de conscience pour ce tala 2023. Merci beaucoup, madame. Na rozong ela eloko moko moke par rapport à Ndeko Azana gauche nangai alobe qui sur to élevé papa Kimbangu na rang ya héros eloko wana na lobaki mutu moko pas partager que opinion bi c'est vouloir quelque chose et son contraire. Donc vous voyez Simon Kimbangu aujourd'hui, je le répète, c'est le prophète. S'il faut l'élever au rang, on voit Mahomet. Est-il comparatif pour les musulmans? Pour nous, les Africains, nous disons c'est Kimbangu. Qu'on soit hâte, il y a qu'on élevé un rang, titre, il y a un héros, on est rentré dans l'aspect physique. Or, aujourd'hui, nous commémorons la spiritualité verbale, la spiritualité des actes de Kimbangu. Qu'on associe à Ngo, qu'on commissaire héros et qu'ils ont posé problème. Tout comme dans le bain à Moutoumoko, Jésus aussi, en Israël, alors qu'il a cessé à un moment d'être la personne des fils de Marie. Autant Kimbangu, que nous avons élevé aujourd'hui, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas le fils de Maman X. Mais dans sa dimension spirituelle, on a reconnu ses œuvres, on a reconnu la force de son pouvoir de élever na rangana. Ezaki juste moi opinion nangai. Deuxième chose, Ezali économie parce qu'il était contre la journée, partage pas la vue. C'est bien, mais chaque peuple a son histoire. Le Rwanda, aujourd'hui, pays agresseur de la République démocratique du Congo, commémore, a créé même un mémorial pour na baïba koufa, na génocide au Bangomoko, ba organisaka. Il célèbre ça. Ça fait partie d'un patrimoine matériel, la Rwanda, ou écoute, c'est la Bangombongo. Tout comme Bissot, Troki, convertir valeur et à journée à Lilo, et comme la Bissot, source et entrée à Mbongo, parce qu'il était dans l'économie et la société. Tout comme l'État et la société. Donc, pour commémorer en haut, ils allaient pour empêcher tes économies Nabisso, parce qu'Aloba qui déjà, en tant qu'économiste aussi, comment diversifier chaque secteur puisse répondre aux besoins de recettes, aux besoins de l'économie, aux besoins du fonctionnement de l'État. La culture, la société, la santé, l'éducation, tout, c'est l'économie, c'est un ministère transversal qui prend tout. Autre chose, Bissobana Basuda, merci beaucoup. Nous représentons les enfants des militaires à travers la République démocratique du Congo et policiers. Yangotozolo Bake, éveil des consciences. Pour que l'homme s'identifie dans la société, il doit d'abord se reconnaître lui-même son histoire, vouloir chercher à connaître là où il est et définir les caps. Il va aller où? Voilà pourquoi Bissoto Sangana na Ideoana. 18 ans de misère dressée, mobutisme, tout consort. Mais nous, en tant que les enfants des militaires, nous reconnaissons une chose. Si aujourd'hui nous parlons des FARDC, c'est l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Je l'ai dit et je le répète. L'histoire, la sociologie de l'histoire militaire, il y a l'élo, ils allaient constituer. La force publique, transition. ANC, force publique, phase, fac. Tant que tu as commis la fac, tu as eu un groupe, il y a un rebelle. MLC, RCD, ainsi de suite.
kosangisa bato wana nyonso na mixage et brassage neto yaka koluka ko créer une armée républicaine qu'on a appelée Force armée de la République démocratique du Congo qui est l'ensemble des composants yaba rebelles na ba belligérants ne lilo tozana armée oyoyo ezali lilo ko vivre nango fonctionnement nango ezali kaka te koluka ko tirer à balle réelle pour chercher les têtes de gens. Il faut connaître la structure, le fonctionnement et l'organisation de l'armée pour que tobe tamaba kouté. Le plus important aujourd'hui, bisoba na basoda, total a raté sika batubazo me mabiso na ba guerre politique. Nous sommes observateurs parce que nous constatons que nous sommes les vrais héritiers de la République démocratique du Congo. 2023. Oui. Quels sont les enjeux? Je suis accompagné aujourd'hui, le camarade Stédor, qui est le commandant provincial na Grand Katanga. Il va nous rejoindre. Voilà. Ouais. Nous sommes prêts. Les enfants des militaires vont se présenter comme acteurs et non spectateurs. Mais nous allons nous présenter sous quel label? Totali côté Nabango, Bazo Potana. Côté Ope Animi, Basangani. Toi, on a des histoires dans le monde. Titanic. Na arche de Noé. On a vu les gens se réunir autour des Chadari. La charte a été signée. Et Soukawapi. Et c'est les mêmes personnes qui ont signé la charte avec Chadari, aujourd'hui, vont signer encore la charte de l'Union sacrée. C'est du Chadari dé que nous voulons organiser réellement. Après que Batunio Sobakota Kinani Numoko ya FCC, Bakei, Bachola, qui va nanamo mouke ba sauver ba zongi ba kimi FCC ba kotina Union sacrée. Si réellement Union sacrée doit exister aujourd'hui, on doit définir aussi certaines valeurs et probité morale aussi. Comment hier tu as été avec Chadari, tu l'as accompagné, il a échoué, tu viens encore, tu as participé à l'échec de l'autre. C'est le président de la République qui nous suit ou qui va nous suivre qui se rende compte qu'il doit réellement se constituer d'une vraie union sacrée, avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles personnalités aussi, pour que nous évitions les erreurs du passé. Le mandat que nous voulons l'octroyer, il va le gérer avec qui? Nalingala mwanamboka, oshike. Nalingala nalobi. Mandat otozo lukayami balé. Et qu'on a banane. N'a pas échoué qui n'a 18 ans. N'a pas échoué qui n'a 32 ans. Tous les alliés moyens osent permettre à l'issue sous Kébiso Bilengé, tous les alliés sous asservi. Bah, et bah, on a des basaliques à raoké la bâtiment sous sauté. Comment qu'on s'en a? On s'en a. Mais, et donc, qu'on s'en a les alliés, qu'on pioche des gens de Kualoubaki, pour n'a pas on a la mouka, bah, qu'on soit banéko, Bilengé, bah, sangani, pour bah, créer une nouvelle classe politique. C'est un problème de renouvellement de la classe politique. Très bien. L'Union sacrée, c'est le renouvellement de la classe politique. Merci beaucoup. Mwamboka, Maître Cédric, l'Union sacrée en ordre de bataille pour nos Kenyabitu. Bande quoi? Autre loba expérience y a Chadari. Est-ce que pour Eko Bande la Maté, besoin d'y marquer 2023 au bino beaucoup joie. Mandat est c'est surtout que n'aba Union soba signé qui lobby charte y a Union sacrée. D'abord, madame, y a des concepts, des réalités, des visions diamétralement opposées. Quand Bolingibo associé FCC na Union sacrée, je vous dis que ça, je ne sais pas ce qui vaut. En termes, il y a vision, il faut boybaquer. Union sacrée d'abord. Nous défendons bah, bonne valeur, vous allez quoi incarner, Ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est quoi la différence? Bolobi Boko a compagné vision à chef de l'État, mais ce n'est pas clair. Je vais arriver, madame, je vais arriver. L'Union est un peu que ce que moi, ben, concrétement, moi, l'Union à part, y'a Ndeko. Vous savez, quand les gens parlent à changement des classes politiques, la première des choses, c'est d'abord le changement des mentalités. On peut changer des classes politiques parce que n'y a pas de quoi, tu es bouddhiste. Président, il y a plateforme en Abango, Neko Faoulou, il est aussi mobutiste parce qu'il a travaillé dans ce système. Parti au Vatican Abango, Neko Chaloupa, il était mobutiste.
aujourd'hui, bon, bah, ça va hériter à Mobutiste. Hein? Donc, pour dire que c'est plutôt, battons-nous pour le changement des mentalités. Mm-hmm. Changement des mentalités, c'est à quel niveau? C'est quand bah, on va commis qu'on arrive à cause la parallélisme, différence entre gestion à l'État et la gestion privée. C'est-à-dire, moi, c'est dit que je suis maître. Mais quand je suis dans la gestion de l'État, il faut toujours dire que lobbying dans la colléka, il y aura des biens et des bons moments sur Bakotika dans ces moments-là. Il faut te laisser les meilleurs à la vocation et hymne national la biso. Il faut te laisser comme meilleur, pas na ba défense moro boé, na eloko eza normal bolimbo à normaliser ango. Madame, vous pouvez citer les noms des gens, les Bochab et consorts, le même personne. Si par exemple le lobby bakuta qui laissait aller les lots au tala bango liso même pas wa kino balobaka hein liso likola liso hein, il y aura pas de bêtises mes frères, là je vous garantis. Ne pensez pas que tous ces gens là sont des acteurs, c'est comme les lots de Kofaul ninga linga c'est quand à sa campagne les lots bobé ça va construire ensemble na baninga. C'est comme fait bango baza libre comme tout congolais en politique, en termes des idées il n'y a pas d'âge. Même ne pas quitter. Moi, j'ai dit, quand vous appelez transhumance, il faut aussi aller transhumance en termes idéologiques. Est-ce que vous connaissez la ligne idéologique de Mène, de sa formation politique? Pour la Kolbaka, ça lit transhumance. C'est Congolais, il peut émettre son point de vue. Sauf que les cadres, ils ont les lots différents. C'est-à-dire, cadres ont la différence, c'est-à-dire quoi? Si dans le système Kabila, c'était un système de chancelier Kopamba, l'autre un système à chancelier Kopamba. Si le système Kabila, c'était par exemple les détournements. Il y a fonds publics, c'était un style de vie. C'est, aujourd'hui, ce n'est pas un modèle pour nous. Nous, c'est la ingestion orthodoxe, c'est-à-dire au IVI, au quai prison. Chez nous, il y a l'IGF qui est là. C'est ça la différence, mes frères. On lobine de Kochada, mes frères. Non, il ne faut pas faire. Il ne faut pas comparer Dieu et le diable. C'est comme si tu compares, quand aujourd'hui tu prends le risque de comparer Félix Tshilombo Tshisekedi et un candidat comme Chada, mon frère, soyons sérieux. Selon Serien de Konangaï, il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau. Le malheur des Congolais, c'est le système Kabila. Il ne faut même pas associer ça avec le système du secret. C'est qu'il a hérité un pays malade. Raison pour laquelle, dans mon introduction, peut-être vous m'aviez même mal compris. Quand je vous ai essayé à Koula, qui s'en place, il moque et outil. Dans le système hérité, aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on peut donner juste pour sauver cette situation-là? Maman, vous devez se rendre compte qu'au stade actuel, moi je pense que les élections sont déjà gagnées en avance. Pourquoi les élections sont déjà gagnées en avance? Je dis, nous sommes des démocrates, mais parce qu'on ne peut pas construire un état sans des statistiques. Pour un état normal, pour la reconstruire, il faut toujours se référer à la statistique. Tokéi, hier vous avez vu plus de 385 partis politiques. Hein? Plus de 385 partis politiques. Autour, il y a Union Sacrée. Et puis, ils arrivent à tailler la formation politique qu'on a. Ils arrivent à tailler la Ndeko Epengete. Ce que t'as dit, je te donne un exemple. Aujourd'hui, son président national est parti politique. Il va postuler où? Où est-ce qu'il sera élu comme président? Comme même député, même chef de quartier. Quartier n'y a pas de Pengazara populaire. Aucun quartier n'a vu la Kinshasa A. Mais je peux te citer les grandes candidatures, les candidatures valables. Il y a Union Sacrée, on a vu ce que ceux qui n'ont pas été à gagner l'élection. Avec des statistiques et des indicateurs corrects par rapport à Bilan Aviso. Pour vous démontrer, maman, quand il y a 385 partis politiques, des grandes formations politiques comme il a ignoré les MSC, ce n'est pas un petit parti politique, ce n'est pas un micro MSC comme Epengue n'est pas envoyé parce que Epengue c'est comparable à une association. Nengende Kunana Zalia. Epengue est comparable à une association Asbel Yakarté Mouaboué, par exemple, par exemple, qui maintient dans Mokali. Tu comprends? Mais un épingle ne peut pas se mesurer à la taille d'une grande formation politique comme le MNC, à la grande formation politique comme par exemple l'INC. Ce sont des acteurs. Ils représentent des grandes masses, maman. Donc, pour vous dire qu'au stade actuel, s'il y a la sincérité correcte, comme a dit même le SIG, il y a IDPS, je pense que la victoire est certaine. Et puis, avec notre bilan, avec les efforts que nous avons améliorés, dans ma condition de vie à Congolais, je vous dis que je ne vois aucun candidat va faire face à Félix Tshisekedi. Merci, moi, Genza, mémoire, merci beaucoup, Ondeko. Malamboka, tous ont gagné des combos. Ma votre mot de la fin pour tous ont des quoi, Zali, Libanda, PAP, sa message naïe rapidement. Mot de la fin, Monsieur Sili. Et comme Nasuka. Bon, ça me fait mal de constater que mon frère ici il est encore jeune. Nous, pour nous, les soucis est que tout changer façon d'habitude à Komona. Tout changer façon na biso akosa la makambata kotoza pene ya bato baza makamabe de peur que toi ça va ngomo vérité o ezali. Il vient de dire il est contre makambo ya ba jour wana, mais le mal qu'il dit ici,
ce qui n'a pas réunion à l'oba qui a ngopé côté bakouta na si réellement il prend part le col abisso moussouto aura la chance ya revanna na bakoulou touana peut-être balinga iba yokaye mais oya zolo baye awa je regrette que bakoyinaye. Nous, nous sommes tous les Congolais ici. Voilà mon téléphone. Tu comment au tambola caméra c'est besoin on a peine bien. Tu comment au tambola na ba charger na au lati costume mais tu as ça mais tu l'as beaucoup ta tambola na ba power back wana minene lokola bondile chef de l'État. Vous parlez de bilan, quel bilan? Nsingi Pululu qui est ingénieur, Bopesa Esnel, qu'est-ce qu'il fait? Nsingi va vous amener quoi? Faut changer. Le bambo kanenge sengeli parce que quand tu parles de bilan, tu vas énerver tous les Congolais. Yo ebite ke bato bakufi na est bazana bilan na bino. Tu ne le sais pas? Mende vient de plaire, mende, comment lui s'appelle, les messieurs, les pépé ici, Mboso. Tozan la contrôle, il y a fleuve Congo à Ouate na Kishasa. Et sa frontière, besoin de contrôle. On vient de tuer les marins. Bon, pas si son nombre de marins congolais Bakoufi. Vous ne contrôlez rien, vous parlez qu'on vous donne le second mandat pour représenter d'abord le bilan Liboso. Devant le peuple congolais, vous avez un mandat à Mibale. Sinon, vous n'en aurez pas. Okay. Et étant que jeune, en tout cas, je vous conseille de réfléchir comme il faut. Tu as pris le temps de parler, pengue. Ce qui te fait mal de voir que ma réflexion a besoin de t'anassima, moutouaza, sima et pengue. C'est ça le Congo. Vous comprenez? Vous pouvez tout étouffer, mais vérité, vous finissez par triompher. Merci beaucoup. Vous serez bâti avant 10 heures. Comme tu l'as été bâti sous une forte pluie. Et Shadari. Et tant que ça, nous sommes gérés par un troisième. Tu l'as fait 15%. Demande Maman Eve Bazaïba, elle te dira. Merci. Il gère les pays par défi. Merci. Vous verrez la suite. Merci beaucoup, Molamboka. Okoki, Tika Bisso déjà. Prochainement, Torozo, le Soussou, Torozo. Merci, madame. Je vous remercie. A Oteli Bisso, na Lubumbashi, rapidement, pour un message, Naye. Molamboka, Moukoko, Stedoro. Okoki déjà, Koko Sana, Mbo, Tepe, Boye Bolam. Merci beaucoup, madame. Mbo, Tenaba, Nyonso, Mazaro, Lamba Bisso. Mbo, Tenaba, Naba, Soda, Nyonso, la République démocratique du Congo. Naba Nabasoda, particulièrement, il y a Grand Katanga Mubimba au Nazako dirigé, il y a 22e région militaire. Très bien. Votre mot par rapport à la journée de ce jour, votre mot par rapport à le débat au Salemi Awa et aussi votre mot par rapport à Bosangisi, à Basoda et FARDC, à un groupe étranger. J'espère qu'il y a un groupe et allié qui est intéressé. Bino, situation sécuritaire na Est, Poto, Chité, Nabane, comment ça? Nalandi débat est allé coloré pas bande qu'on n'a pas autre bas dans le plateau mais biso tolobi tozali na deux choses pour nous changer République démocratique du Congo et c'est le changement c'est-à-dire nous enfants de militaires aujourd'hui de la RDC nous refusons la monotonie c'est quoi la monotonie on veut pas avoir le même personne dans les institutions ce Congo nous appartient tous nous ici, moi, devant vous, je ne vous parle pas comme n'importe quel Congolais. Je vous parle comme héritier de cette République. Okay. Parce que moi, mon père, Banzi, papa, Nangaï, avant Koufa, Nakani, il y a 3 ans maintenant, na, tout n'a qu'une question, mais papa, au Koufa, Nazamo, Nasuka, Ndeko Bazaï, Bélé, Otikeli, Ngaï, Nini, Nazalek, Tozana, Kanvang, Tata, Bissingalo, Bélé, Otikeli, Zalite, Natikeli, République démocratique du Congo. Et cette République appartient aux enfants de militaires. Tu es ici, bandeau, nyonso, ou bah, la politique, lelo, bah, sakanakana, héritage, y'a moi, na moutouté. Alors, c'est le moment où, nous, enfants de militaires, nous allons maintenant aider le chef de l'État, avec sa nouvelle vision d'aider la jeunesse. Nous, nous sommes les compléments directs du chef de l'État. C'est-à-dire que nous avons compris que la monotonie, et au bébé, ça, Congo, on a vu son mingi. On veut pas. Tout ça, ministre à vie, à Zalarate. PDG à vie, à Zalarate. Il est temps maintenant que tout change. Et nous avons besoin seulement pour changer ce pays, tout en a besoin qu'à Kaya ou changer ma donnée. C'est-à-dire que le chef de l'État a besoin de 8. Il a fait hier 4 plus 4 pour avoir 8. Il peut aussi faire 6 plus 2 pour avoir 8. Donc il faut changer seulement les données pour arriver au changement. Donc, vous soutenir une vision chef de l'État. Tout soutenir une vision chef de l'État, effectivement, parce que d'abord c'est le commandant suprême. Et nous, c'est automatique. Tous les dépendants de militaires soutiennent le chef de l'État et le commandant suprême. C'est pourquoi ngai biloko nalanda ki débat ne na répondre ma débat ma ngoya union sacrée ngai ils ont intéressé ngai mingité parce que ngana ibi chef de l'État pour na ya ku gagner ba élection ya 2023 azan a besoin ba union sacrée mingi wanate il suffit juste à tout napé à solola na bana ba soda il suffit juste ba dépendant le militaire ba voilà na ba condition na bango ba reba droit biso toujours réclamer chaque jour c'est quoi les droits des enfants de militaires ngana mon ba droit ba na ba soda ba dépendant de militaire ezali ebélé mais pour l'instant,
Moi, je ne demande pas ici, Brambo, il y a soins médicaux, parce que le chef d'état-major général, que je salue en passant, le général Tchioué, quand il est passé au Katanga, a fait ça qui va ordre, dans les cas qui n'ont pas eu à l'hôpital, il y a quand même un militaire, parce qu'il y aura même soins gratuits. La félicitation dans Nouvelle Vision. Mais aussi, au Singapour, on a respect. Droit à militaire, pèse à respect. Tout ce n'est pas civil, et pas population, les lots, on a bien civil, tu vas respecter papa Nabiso. Et respect à Korea, papa Nabiso et au Bandano Nanzela. Au Moni Soudan Nanzela, pèse à Tamboté. Au Bilo, au film, à Soudan Nanzela, on a au Tchimon, à les réseaux sociaux, nous allons mettre fin à ça. Nous sommes en train de constituer déjà un département juridique, c'est qu'au filmer Soudan, au Fingi Soudan Nanzela, tout porteur paiera une plainte. Parce qu'on a fait bateau, on a mérité respect. Mais, maître Monamboka, bienvenue, Kiboula. Ce qui il faut que le bas par rapport à Ndenge, soin, il y a Kozoa, soin, il y a Soudan. Régime est-ce que amélioration est allée? Est-ce que ça a pas oui, 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 message oui, 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 avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi, c'est moi qui ai porté cette lutte avec le ministre Gaston Moussemena. Les lots à l'hôpital général, il y a état-major garde républicaine. Na Katia Kanchach. Amélioration Ezali. Amélioration Ezali est belé. Côté salaire, côté mode. Bon, côté salaire, Kokoso Ezamingi. Au moins, capitaine, capitaine, Koto Azui, Montant Moussousou, Koto Azui, Montant Moussousou, TMB, pose un problème. Cela, c'est en passant. C'est aussi des choses qu'il faut voir. Mon solo, oui. Et puis, Babilo connaît, c'est Primo, Basoda, Bazaro, Zouate. Et comment on a un bima chaque mois. Et l'eau qui est limite. A tel Zaka Mingite, Yamokewana. Et ça, ça quand même que Bamabota est dit. Est-ce que vous avez un bon singe à mon corps? Message, la bise est simple. Mon conjambo, Kayambi, bah comédien. Ayambi, bah artiste, musicien. Ayambi, bah politicien, plus de 10 000 fois. A cela est pena ba maman na biso. Ba orphelin. Hein, ba orphelin ne biso. Ba to ba héritier ne biso. To komaki, to tika mikanda. To zozela mokonzi pe aya mabiso to zana o ya koloba na ya tant que papa. To benga kai papa po to inventa ngote ba to ba keli mibe ko balobi, il est le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Donc, papa na biso. Tous en apposta, ayamba biso abenga bana mikanda ezali tokutana to solo. La démarche c'est ezali qui. Oui, depuis le 24 janvier, il y a un mémorandum qui a été adressé na ba service courrier et on est en train de faire le suivi pour que eloko anisa la maba force vive ba leader ya bana ba soda, bazana posa okuta mokonzi mboka, biso to ebisa epe o ya biso force toza ko détenir lelo. Ezala, au concours, il y a succès au Yazanamo, parce que nous voulons l'accompagner. Et nous l'accompagnons. Merci beaucoup, Maître Cédric. Votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Non, je suis content. Nous avons partagé dans mon plateau. Quand nous avons réclamé l'application de la Constitution, c'est dans les droits. Parce que la Constitution est censée être respectée. Ce que tu as un article 83 de la Constitution, Bazali a défini le chef d'État comme un commandant suprême. Bazali a dit que c'est le chef d'État. Lelo a koki kondimate comme soda ya liboso amona ndeko na ye omolo collègue na ye akinde ko senga lipa na terrasse tenir katana loboko katani Nicolas Mboka a souffrir. Raison pour laquelle quand le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est au pouvoir, il essaie à quoi améliorer ba condition de vie à ba veuve militaire, ya ba militaire, je suis très content. Na démarche, il y a un déconnant, il faut accompagner notre travail par voie médiatique. En tout cas, c'est vraiment une bonne démarche. Parce que vous savez, mon cannabis, ça fait mal quand les policiers soudain va perdre le coup de mon abango. Tout le monde est libre, les politiciens, à quoi inciter bango aisement, vous avez bolole. Politicien, va quoi manipuler bango kata bango tenir aisement. Donc, par contre, mon sala ou ba soudain va salaka, moi je dis que ça dépasse même mon sala ou bah tu es belé bah ça là parce que quand mon toazali ko sacrifier vinaï le bokonaï le kolonaï katani ya botama ki mobimba pour namboka a des fois tiki ba na ba condition mo comme médiocre sans soko ki na ba camp militaire, vous allez se rendre compte que nos les enfants militaires vivent dans des conditions mo comme médiocre.
Mais quand Mouta Koufé Limboka, il faut quand même République à son tour et honorer. Très bien, merci beaucoup. Moi, Mouta, mon coco, c'était d'or. Votre mot de la fin pour Dubanda qui n'a eu aujourd'hui moins de temps en Mingité. S'il y a un message à lancer rapidement. Oui, il y a un message à lancer. Ben voilà, vous ne m'avez pas donné beaucoup de temps, mais sinon, tout le monde a mingi lilo. Tout le monde a dit qu'il fallait un plateau spécial vraiment pour la bande Basouda. Je pense que c'est très important. Toujours réclamer le droit en abisso, mais avant de réclamer les droits, il faut que le droit en abisso soit nini. Tout le monde a dit qu'il y a une émission, il y a une occasion, mais toujours qu'il y a une timidité. Et là, tout le monde a dit qu'il y a personnellement, il y a une timidité, il y a un respect. La population va respecter le papa en abisso. Pour nous respecter ma papa Nabiso, il y a des cas qui ont une marche de soutien. Il y a un gouverneur, un général, il y a armé en fonction. Il y a des recommandations. Il faut répondre à ta pour répondre à Yeti. Il faut recommandations, il faut respecter le chef de l'État. Jamais on ne peut soutenir le chef de l'État, ce qui n'a nous, au bandit, n'a nous respecter le commandant en place où il y a un commandant. Ça, c'est. Il y a un commandant qui a été en écoloté. Au coup dans ma province Moussousou, bazo tout na moi na soda lobi yo za mto colonie moi na soda za rana ekoloté. Nos parents sont présentement au front en train de défendre la république bazo pour na te que non pas za mto est au wapi de bon respecter statue ba papa na biso bon respecter pe biso ya ngonde na ngangena loba mabilo ko za mingi pe akoloba par rapport ya combat na biso to zo mener les lots. Si aujourd'hui les enfants de militaires veulent s'engager en politique, c'est parce que nous avions compris que ce n'est pas au chef de l'État aussi de changer totalement les conditions de vie des militaires. Mais ce sont aussi nos députés qui sont au Parlement. Parce qu'il y a les lois qui traînent encore ou qui ne sont pas en application parce que nos députés voient seulement leur intérêt. Mais aujourd'hui ou demain, je pense que les Congos d'aujourd'hui, comme on dit au Katanga, tout est possible avec la jeunesse, la nouvelle génération, que demain ou après-demain, les enfants des militaires seront au Parlement pour aider à proposer les lois qui vont améliorer les conditions de vie de familles de militaires. Merci beaucoup. Vous nous venez de Lubumbashi. Oui. On a déjà opé ça. Bambote, mingi na bandeko, otika ki kuna, et ça qui pour la Congo, tout ça qui na spécial 6 avril, opé na bandeko. Il y a vaille de conscience des enfants de militaires, et ça qui est important, tout le bel appel politique, n'est-ce pas, Messana. Merci, mingi. Mon amboka Cédric, maître Cédric, il y a Génération 4. Merci, mon amboka Kiboula, bienvenue, et merci, Nabino Rolanda, qui bisous de partout dans le monde. On se retrouve prochainement. Tolinga Congo, to batira Congo et to tonga ekolo na biso pona Congo to kutani lobi na ba invité on se soumet toujours. Merci. Avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.